everybody, welcome to Stroke Race. Today we are going to talk about a race where you need a big bear of balls, the most dangerous race in the world, and I made the Tourist Trophy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Stroke Race, le Tourist Trophy. Alors par où commencer? L'épisode va être très rapide parce que le Tourist Trophy, qu'est-ce que c'est? C'est une course de moto sur route fermée d'environ 60 km, conduite par des mecs à tendance suicidaire. Voilà, voilà, merci de nous avoir regardés, ciao ciao! Pour commencer, où se passe cette course? Eh bien, cette course se déroule sur l'île de Man, une petite île au large des côtes anglaises. Cette île qui n'a absolument rien demandé à personne jusqu'à 1901, où les résidents de cette petite île se sont dit entre deux Guinness, tiens, est-ce qu'on fermerait pas une partie de l'île pour faire une petite course avec nos engins à deux roues? C'est comme ça que naît le Tourist Trophy, avec à la base un tour qui faisait seulement 20 km, je dis seulement parce qu'on va voir plus tard qu'il va augmenter, avec un tour bouclé à 60 km/h de moyenne, donc retenez bien cette moyenne parce qu'on va voir qu'au cours des 100 prochaines années, elle va évoluer. Il faudra attendre 1909 pour connaître le tracé que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le tour de 60 km qui fait quasiment le tour de l'île, qui fait même le tour de l'île, le tour de l'île qui traverse une trentaine de villages, 264 virages à mémoriser à la perfection et plus de 300 boss en prime. La Tourist Trophy est une course relativement discrète qui ne fait pas trop parler d'elle jusque dans les années 60. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir arriver les motos performantes et malheureusement les premiers morts. Les morts au Tourist Trophy, j'y reviendrai juste après. Ok. Avec des vitesses de moyenne de 160 km/h, et c'est là déjà qu'il commence à y avoir du spectacle au bord des routes. Alors le Tourist Trophy, c'est une course qui est assez simple de conception, c'est une course contre la montre, c'est-à-dire que c'est celui qui fait le meilleur temps qui gagne. C'est finalement dans le même esprit que le rallye, et il ne faut pas oublier de préciser que le Tourist Trophy est la course la plus dangereuse du monde, et quand je vous dis que c'est la plus dangereuse du monde, il y a zéro vanne. C'est réellement la course la plus dangereuse du monde. Les pilotes partent l'un derrière l'autre toutes les minutes ou toutes les deux minutes selon les éditions, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bagarre ou de débassement. Certains pilotes en rattrapent d'autres et ça donne lieu à des duels de folie, comme on atteste ces images. Nous voilà dans les années 70 et l'on peut voir qu'un certain Giacomo Agostini a gagné le Tourist Trophy. Je sais ce que vous allez me dire, mais Agostini c'était pas un pilote de circuit? Eh bien si, mais la raison est que Giacomo Agostini a participé au Tourist Trophy tout simplement parce que le Tourist Trophy était au calendrier des Grands Prix. Et ce cher Giacomo gagnera 5 fois le Tourist Trophy. Je te demande pardon? Et quelques années plus tard, les gens boycotteront le Tourist Trophy en disant que c'est trop dangereux, patati patata. Et malheureusement, la Fédération Internationale de Moto décidera d'enlever le Tourist Trophy du calendrier du championnat du monde. Nique ta mère! Oh. T'imagines comment ça aurait été incroyable de voir un Fabio Quartararo et un Marc Marquez se tirer la bourre dans des villages à plus de 300 km/h. Certes, un peu dangereux, mais ça aurait été quand même vachement cool. C'est rigolo, ouais. On rentre malheureusement dans la partie un peu dure de cet épisode parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plus de morts que d'éditions. Cette phrase, elle est terrible à dire. Pour faire simple, la 100e édition du Tourist Trophy a eu lieu en 2019 et déjà à ce moment-là, on comptait plus de 200 morts. Combien? Ça veut dire qu'en moyenne, 2 personnes meurent par an. Donc ça veut dire que si tu t'inscris, t'as une réelle chance à la fin de la course, de voir ton nom rayé en rouge en bas de la liste. Et ce qui est fou, c'est que depuis 1909, la réglementation n'a pas changé d'un poil. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que les pilotes militent pour que la réglementation ne change pas. À mon avis, les pilotes, ils doivent avoir une secte ou un clan. À mon avis, ils doivent s'appeler le grand clan des suicidaires anonymes. Et puis les mecs autour de la table, ils doivent se dire, de toute façon, on va tous mourir, donc autant mourir en rigolant une dernière fois. En revanche, ce qui a changé radicalement, c'est la puissance et les performances des motos. On est en 2023 et la catégorie reine, donc du coup le Superbike pour le Tourist Trophy, les moyennes font entre 220 et 250 chevaux pour 70 à 180 kg. Je sais pas si vous avez une idée des vitesses de passage qui sont faites dans cette course. Thank you.
avec des rapports poids-puissance, mais de folie, avec des motos qui vont à plus de 320 km/h sur des routes de campagne. T'imagines quand même la paire de couilles qu'il faut pour faire cette course. Les meilleurs pilotes bouclent un tour de 60 km en 17 minutes. Nous, pour ceux qui connaissent, on a une route par chez nous pour aller jusqu'à Épinal, qui est une ville à peu près proche de chez nous, qui est à peu près la même distance. On met 40 à 45 minutes alors qu'il y a de la voie rapide. Et les mecs, eux, ils sont sur des routes de campagne et ils mettent 17 minutes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un tour fait 60 km, mais en superbike, ils font pas un tour, ils en font 6. Ça veut dire que les mecs, ils tapent 360 km en une manche. Vous vous souvenez, au début de l'épisode, je vous ai dit 60 km/h de moyenne, retenez bien ce chiffre. Alors on arrive 100 ans plus tard maintenant et on est à plus de 220 km/h de moyenne. De moyenne. Une voiture basique de monsieur et madame tout le monde en France, sa vitesse moyenne sur toute sa vie, c'est 50 km/h. Faut que je vous montre quelque chose aussi, c'est le logo du Tourist Trophy. Alors ce logo, il a vraiment une identité, il veut vraiment dire quelque chose, parce que les trois jambes là qui sont en forme d'étoile, c'est pour dire que dans quelques positions qu'on chute, on retombe toujours sur ses pieds. Et le logo là, c'est vraiment un tripode que l'on retrouve partout là-bas. C'est vraiment, voilà, c'est leur logo, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Bon, je vous spoil un peu la légende, mais... c'est faux, hein. Le mec il tombe à 320 dans un village, il retombe pas sur ses pieds. Hein. J'ai aussi 4 fractures au bras, avec des lésions nerveuses, mais ça se rétablit bien. Je me suis déboîté le genou, j'ai quelques égratignures, une fracture au bassin et à l'omoplate, et un poumon endommagé. Maintenant, on va s'arrêter 2 petites minutes sur un gars en particulier. On connaît toujours ce mec qui veut faire mieux que tout le monde pour faire du zèle et impressionner la galerie. Et ce mec en question au Tourist Trophy s'appelle James Haler. Et il s'est tout simplement engagé au Tourist Trophy au guidon d'une Kawasaki H2R. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans l'explication? Je ne pense pas. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas la Kawasaki H2R, c'est littéralement la moto de série la plus puissante du monde. La plus rapide et la plus puissante du monde, avec 326 chevaux alimentés par un compresseur et plus de 400 km/h de pointe. Faut quand même être vraiment en con pour s'inscrire avec ça au Tourist Trophy. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images juste maintenant. La H2R atomise le 0 à 400 km/h en 26 secondes. Pour vous faire une idée, elle pulvérise en départ arrêté une Formule 1 ou une Bugatti Chiron. Et ce cher James Haler, pour information, a battu le record de vitesse de la ligne droite avec 331 km/h. À mon avis, le mec n'a absolument pas envie de vivre. Demain, l'envie vous prenait de vous inscrire à cette course, eh bien je suis navré, mais malheureusement vous ne pourrez pas y participer. Pour s'y inscrire, il faudra avant que vous passiez sur des épreuves inférieures, et heureusement j'ai envie de dire, parce que sinon ce serait un véritable massacre si tout le monde pouvait s'inscrire. On serait obligé de rebaptiser la course Pompe et Funèbre Trophy, et franchement ça serait chiant pour tout le monde. Donc si vous voulez y participer, il vous faudra d'abord participer à un championnat national de course sur route. Je suis navré. Il n'y en a pas en France, ça n'existe pas. De notre côté, il faudra qu'on se tourne du côté de la Belgique, où là, il y a des courses nationales de course sur route. Une fois votre saison en national effectuée, avec des obligations de résultats, évidemment, vous devrez vous inscrire ou au Manx Grand Prix ou au Nord-Ouest 200. Donc c'est quoi? Ça se passe toujours sur l'île de Man. C'est juste un tour de l'île qui est beaucoup plus petit. Et au lieu de partir en file indienne comme au Tourist Trophy, vous partez en groupe, comme une course sur route basique. Donc là, je vous préviens, c'est le Fight Club. Et si par chance, vous arrivez à faire moins de 20 minutes autour au chronomètre, et bien là, seulement, vous serez éligible pour le Tourist Trophy. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre des choses. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, un pouce bleu, un abonnement, ça me fera toujours plaisir. Et puis, ça nous aidera à monter la chaîne pour vous proposer d'autres choses. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.